honorables de l'opposition, honorables de l'affaire gouvernement, honorables chefs et chefs pipsicillois, bonjour. Monsieur le Speaker, il fait moi un grand plaisir pour adresser l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mon chacontant commence mon adresse par dire, Monsieur le Speaker, que nos cohabitations pémassent bien et en bonne santé. L'importance, c'est en un sa volonté pour nous travailler ensemble pour ces cils et pour tous ces lois. Nous, comme dirigeants qui respectaient la volonté des Pepsi-Célois, nous peut donner sa leadership qui est nécessaire pour nous amener ces cils plus devant. Alors aujourd'hui, mon sali rôle que l'Assemblée nationale peut jouer pour approfondir la démocratie dans ces cils. Monsieur le Speaker, aujourd'hui, mon pour cause le plusieurs sujets importants pour nos pays. Je commence par expliquer certains principes qui dirigent le programme gouvernement en ce qui concerne bonne gouvernance, rendre compte et la transparence. Une bonne politique qui m'en introduit, c'est pour amener nos citoyens sortis soit dans le secteur privé ou bien dans la société civile pour diriger et aussi bien venir membre le board, bonne l'agence, l'entreprise publique et l'autorité régulatoire. Ça est en ligne avec policy pour créer un gouvernement qui est plus inclusif et pour donner l'opportunité à nos bandes citoyens pour jouer un rôle important dans le développement de nos pays. Monsieur le Speaker, rôle du ministère, c'est pour donner sa direction en termes policy et développement infrastructure. Je suis là pour mesurer et valide performance dans l'organisation qui tombe en bas de responsabilité, dans l'agence, l'entreprise publique et l'autorité régulatoire, les autres gagnent, les autres directions sont un coup de bord qui gagnent à pointer, dans le CIF exécutif et gagnent les autres mandats avec les autres bords, c'est-à-dire que le CIF exécutif gagne son mandat sorti coup de bord. En ligne avec le principe de bonne gouvernance, nous parlons là pour micromanage dans l'autorité, l'agence et l'entreprise publique. Nous parlons là pour interférer dans l'opération et l'activité de l'agence, l'entreprise publique et l'autorité. Le gouvernement, à travers le ministre, nous donne directives en termes de policy en écrit avec Chairperson Board. Sa directive est bien discutée dans le board pour son implémentation. En ce qui concerne bon grand investissement, tout bon l'entreprise publique et l'autorité, vous avez besoin de gagner l'approbation du ministère des Finances, qui a sa responsabilité pour évaluer l'impact et risque sur l'investissement de l'économie pays, aussi bien que le budget national. Tout ça, il forme partie de nouveau la règle qui a besoin de gagner suivre. Aujourd'hui, je demande tout l'autorité régulatoire, l'agence et l'entreprise publique pour décharger votre fonction d'après la loi qui gouverne votre, d'après votre mandat et d'après policy. Qu'ils améliorent votre système de communication interne, que les travailleurs aient mis au courant la direction qu'ils peuvent aller, qu'ils traitent les travailleurs d'une façon qui existe. En ligne avec plus la transparence, nous avons décidé que tout tender pour aussi annoncer le radio à partir d'août salonnais. Ce qui est important, c'est que nos citoyens ils connaissent quoi qu'ils peuvent gagner tender et s'ils ont envie de prendre part dans tender, il y en a l'opportunité pour faire lire. Monsieur le Speaker, il fait 5 ans salonnais depuis qu'IDC a demandé par le gouvernement pour entrer dans l'activité construction de la base commerciale. Le gouvernement y croit que le moment est arrivé pour IDC sortir de sa secteur et concentrer plus sur son mandat pour le développement de Banzil. Il y en a jusqu'à l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, pour faire ça. Monsieur le Speaker, nous avons la tâche devant nous pour nous faire que l'institution, l'autorité et l'agence
Zout la loi, il gagne en mandé pour refléter un nouveau principe bon gouvernance. Nous, la loi procurement, par exemple, établit système d'appel dans cas que le participant d'un tender pas satisfait avec procédure ou bien résultat tender. Il plan gouvernement pour amendre la loi côté nécessaire pour que ce système d'appel existe dans tous les autres la loi. Ça y avec B pour promouvoir, rendre compte et bonne gouvernance. L'autorité, l'appointement constitutionnel. Il recommande plusieurs individus pour l'appointement en ligne avec constitution et bonne la loi. Ça, l'autorité, il publie bonne vacancies dans journal. Il est intéressant pour voir qui plusieurs nous citoyens in viennent devant pour montrer aux autres l'intérêt. D'abord, un document qui sa l'autorité in soumet contre moi, mon voix qui en a la règle très claire qu'ils autres suivent. Ils autres font interview avec mon applicant. Une fois qui ça y gagne faire, ils autres soumet, ils autres recommandations contre moi. En ligne avec constitution et la loi, mon fait consultation et dans ça l'esprit travaille ensemble, mon aussi consulté l'idée de l'opposition avant mon prendre une décision finale. Suivant recommandation, l'autorité, l'appointement constitutionnel, mon consulté leader de l'opposition et mon appointe chairperson, vice-chairperson et un membre, le board SBC. Les autres membres, ils sont nominés par les autres organisations d'après la loi. Nouveau board SBC, ils interviewent plusieurs applicants. Et chairperson board, ils soumettent recommandations pour nouveau chef exécutif et nouveau député chef exécutif. Mon recevoir ban document zédi les 20 En ligne avec nouveau la loi, mon pour à présent consulter speaker l'Assemblée nationale et saisir la Cour suprême. Gouvernement peut aussi finaliser un autre projet de loi qui pour un an mandat ou l'appointement tous les officiers dans service public. Tous vacancies pour gagner publié. Et pendant l'annonce le radio. Appointement à gagner faire par nouveau commission le service public. Non, c'est ces lois capables et compétents et nous besoin mettre confiance dans nos propres c'est ces lois. Monsieur le Speaker, avec la transparence, mon gouvernance se rend compte, l'indépendance de l'institution et l'autorité pour continuer à gagner augmenter. Il y en a une nécessité qui tous nos bons citoyens il gagne informé et éduqué le rôle dans diverses institutions et l'autorité qui existait aujourd'hui. Avec l'information et connaissance, nos citoyens, ils ont une meilleure position pour jouir ce que l'État y met à sa disposition. Avec l'information et connaissance, n'a pas place pour confusion. Nos citoyens aussi, il y en a un rôle pour jouer dans promouvoir le principe la transparence, rendre compte et bonne gouvernance. Aucun de nos citoyens qui n'a aucune plainte, ou bien aucun appréhende, aucune action déshonnête, corrompue, mal à propos, l'abus pouvoir, et que la loi peut être cassée, ou bien doit y mettre son procès peut être violé, ou bien abusé, il devrait être sans la foyer à poste de l'institution et l'autorité concernée pour que la justice y gagne appliquée. Monsieur le Speaker, suivant un ruling, la Cour d'appel, le 7 septembre l'année 2012, on a décidé d'établir un tribunal administratif qui prendra pour but résoudre tout bon cas compensation de la terre en ligne avec la Constitution, plus précisément partie 3 en bas chef du 7. On a aussi décidé pour créer des tribunaux spéciaux qui pourront adresser compensation lié avec l'habit les passés d'un militaire et paramilitaire qui n'affectait certains nos citoyens. Ça aussi, il habite dans la police et par la police. Mon décision, M. le Speaker, est en ligne avec le travail qui comité la vérité et réconciliation de l'Assemblée peut faire. Et mon désir sincère qui nous ferme sa sapite. M. le Speaker, nous avons ombudsman, commission anticorruption, la police et commission le droit humain.
En ce qui concerne la police, nous ne sommes pas là pour micromanager la police. Il n'y a pas le ministre pour faire masser la police. La Constitution est claire là. La responsabilité commissionnaire de la police, c'est pour faire masser la police. Pour hausse niveau professionnalisme et standard de la police. Pour que les peuples et ses lois y en aient confiance dans la police. L'expectation de nos populations, c'est que la police y fait son travail d'après la loi, qui concerne nos citoyens et qu'on y prend sérieusement. Mais on reconnaît que la police y en a un grand défi. Le gouvernement récemment demande l'aide technique avec le gouvernement de l'Angleterre pour faire un audit complet le système d'investigation de la police avec les prendre les mesures nécessaires pour mettre les standards qui méritaient. Nous avons aussi décidé que l'année prochaine, nous pouvons faire l'investissement d'un laboratoire forensique, gouvernement l'aide pour supporter nous de sa projet. J'explique que bonne gouvernance, la transparence et rendre compte, y aussi applique pour business, société civile et partis politiques. Il est important, comme une société, qui s'abonne principe et qu'on promouvoir et réfléchir devant l'organisation économique, sociale, civique et politique. Si nous tous, nous avons pire développement, nous avons l'organisation, nous avons le principe, nous avons contribué dans l'augmentation, la transparence, rendre compte et bonne gouvernance. Gouvernance, commission électorale, pour améliorer, l'Assemblée approuve un nouveau la loi qui fait séparation entre chairman, commission et chef exécutif, commission. Monsieur le Speaker, je crois que le moment est arrivé pour le pays créer un fonds spécial pour l'élection présidentielle et l'Assemblée nationale. Ça fonds, il a recevoir l'argent tous les lendemains à travers le budget national. Bon candidat qui pour prendre part à l'élection, je dépense campagne à sortir de sa fonds. Responsabilité sa fonds à tomber directement en bas commission électorale. Ça va contribuer vers la transparence et rendre compte que l'argent y concernait dans la campagne élection. Et il est aussi en ligne avec sa désir pour faire la plaine plein niveau. Et si ça l'idée, il gagne accepté par commission électorale, il peut nécessiter imposer des lois pour l'approbation de l'Assemblée nationale. Fiti, c'est celle, pas de gagne dictée par pouvoir l'argent. C'est les peuples qui méritent dicter direction politique de nos pays. Monsieur le Speaker, une mon bonne plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est qui moyen nous pour soutenir nos populations qui peuvent vivre plus longtemps. En 2016, pour la première fois dans l'histoire, bonne Madame Cécilois, qui peut vivre en moyenne jusqu'à l'âge 80 ans. Les hommes peuvent vivre en moyenne jusqu'à l'âge presque 70 ans. En vie, sa bonne statistique, nous ne sommes pas capables de maintenir la soutenabilité sans qu'ils nous considèrent nos responsabilités. Nous qui encore peut travailler et qui pour responsabilité sa zène génération qui peut monter, qui prenant sa responsabilité dans les fitis pour équiper nous et prendre soin avec nous. Ça y emmène moi pour cause de pension. Par les autres qu'on est, pension retraite, qui tous nos citoyens gagnaient à l'âge 63 ans, ils sont aussi dans le budget national. Et ça somme aujourd'hui et 5050 roupies par mois. Et aucun citoyen qui ne contribue en ligne avec fonds pension, vous êtes capables de jouir votre pension à l'âge 60 ans, en ligne avec votre contribution. L'effet qu'il y en a une population qui peut vivre plus longtemps, le gouvernement y croit qu'il est le moment arrivé pour nous préparer nos populations pour l'augmentation de l'âge de retraite. Nous pensons que 5 ans notice est approprié. C'est pour cela que le gouvernement vous présente un amendement dans la loi avant l'année finie, que l'âge de retraite pour sortir 63 ans
et pour 65 ans. Et si l'Assemblée nationale y donne son approbation, il pour venir effective à partir du 1er janvier l'année 2023. Un autre amendement, il pour dans la loi fonds pension, contre l'âge pension pour sortir 60 ans et pour venir 63 ans. Lui aussi, il pour effective à partir du 1er janvier 2023. Ça est très important si nous avons adressé cette question de soutenabilité. Ça est une décision qui nous besoin prendre comme un pays, toujours dans l'intérêt social. Changement de la loi est seulement une partie de sa solution. Mais une population qui vit plus longtemps, il dépend le bon service tel que la santé, programme home care, logement, transportation, facilité, récréation, ainsi de suite. Question qui nous demande, nous les corps, c'est qui manière nous pour soutenir tout ce bon service et tout ce bon programme. Solution, il est que nous, la force travailleuse, c'est ces lois. C'est nous qui contrôlons le destin de nos pays. Destin, c'est celle et dans nous la main. Nous un petit pays d'un millier l'océan. Nous moins que 95 000 citoyens. Aujourd'hui, nous pouvons vivre en harmonie entre sec et frères. Nous besoin mettre nous ensemble. Nous besoin augmenter nos productivités nationales, renforcer nos disciplines dans tout l'aspect de la vie et prendre nos responsabilités au sérieux dans nos familles. Ça est la clé pour ces enfants qui peuvent monter, pour nous qui peuvent travailler et pour nos banasés qui besoin vivre notre retraite dans dignité. Monsieur le Speaker, les épaules sa génération qui peut monter. Il y en a la tasse et une responsabilité énorme. Ces autres, ça procède la force travailleuse qui besoin prendre soin avec Cécile et nation cécilois. Nous propre l'avenir et dépend de ses efforts qui nous mettaient, le qui nous envie qu'ils ont venu. Nous, c'est la force travailleuse aujourd'hui. Nous besoin bouse nous l'énergie et nous l'attention de sa génération et doubler nos efforts pour prendre soin avec sa génération plus âgée, qui ne baisse nous et prend soin avec Cécile. Monsieur le Speaker, quoi qu'il devrait être changé? Système l'éducation à partir de janvier 2018 pour orienter pour qu'il l'école commence à l'institution et gagne plus de contrôle de l'éducation de nos bons enfants. Head teacher et son équipe, il prend contrôle complet de l'administration de l'école, inclut décision de discipline. Les temps qui nous ont ministère, l'école, parents, enseignants et étudiants, infini. Mon propre enfant est dans l'école secondaire Beauvallon. Il connaît que son parent y expecté de lui. Il connaît bien quoi que l'école y expecté de lui. Il connaît conséquence si la règle est cassée. Comment parents m'ont pas interféré. Comment président m'ont pas interféré. Laisse l'école faire son travail. Avec l'autonomie que l'école y gagne, le gouvernement peut aussi augmenter les ressources et les outils nécessaires pour faire son travail. Le temps quand nous micromanage l'école infini. Administrateur de l'école, il gagne son l'orientation sortie contre le conseil de l'école. Toute l'institution postsecondaire pour aussi zèze autre propre budget. Il y en a un contrôle direct les autres l'administration. Parents, nous besoin réaliser qu'il est temps de nous mettre des enfants dans la terre. C'est nous qui sommes les premiers éducateurs. Et là, nos enfants, il y a l'école, à nous continuer à supporter nos enfants, à nous participer dans son développement et à nous appuyer les enseignants et l'administration de l'école. À nous faire attention, bonne remarque, commentaire et vidéoclip qui nous mettent les différentes plateformes, les réseaux sociaux aujourd'hui. Sans qu'ils nous réalisent, nous peut aider SEM, les grains, négativité qui empoisonne l'esprit de nos bons enfants et zénith à un très jeune âge. Nous tous, nous avons une responsabilité collective pour promouvoir une bonne valeur morale et spirituelle de nos enfants et nos zéniths. Enfants, Zénith Cécilois, s'il vous plaît,
saisir l'opportunité qu'ils ont en eux pour apprendre, apprendre et apprendre. L'avenir c'est seul et l'avenir nous peut, il dépend de ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui et ce qu'ils ont pour être demain. Et l'autre quelque chose nous besoin changer, c'est nos styles la vie. Nos styles la vie aujourd'hui peut affecter nous la santé, peut impacter le budget, la santé, et puis affecter nos productivités nationales. Solution est avec nous. On nous prend contrôle de nos styles la vie. Nous la santé et nos responsabilités. On nous fait le temps pour faire l'exercice. On nous revoit ce qui nous consomme. Consomme l'alcool en modération. Sans l'attitude, il prend le temps. Et parfois, il est difficile. Seulement, les nous gagnent sa alerte. Et nous comprenons l'aisance pour un assassinement, nous besoin d'asile. Les nous lever demain bon matin, à nous faire sa décision pour aider nos propres corps et nos pays, à nous adopter un bon style la vie. Haine qui pas pour mettre pression le nos propres la santé, haine qui pour aider nos productivités nationales. M'encourage et félicite tout bon citoyen qui ne finit prendre sa décision pour adopter un bon style la vie. Aujourd'hui, nous l'économie y est avec une force travailleur formelle, qui en a 45 684 du monde d'après statistiques plus récentes. Niveau unemployment pendant sa même période, c'est 4,7%. Et dans sa 45 684 du monde, presque un tiers travailleur étranger. C'est-à-dire, 1328 dans le secteur public et 13213 dans le secteur privé. Ça, il démontrait que nous, l'économie, il n'y a pas un qui pour capable fonctionne facilement sans travailler étranger. Mais, Monsieur le Speaker, ce qui m'a convaincu, c'est qu'il est important que le gouvernement il mette plus d'efforts pour aider nous, ces lois, bouge plus haut dans le travail que nous étions aujourd'hui. Mécanisme pour atteindre ça est varié d'après la compagnie et d'après le secteur, mais à travers l'emploi et l'immigration, qui aujourd'hui est un seul ministère, pour faciliter ça l'exercice. Je suis convaincu que nous sommes capables de faciliter plus knowledge transfer, sortir des travailleurs étrangers pour venir des travailleurs sicilois. Une façon qu'avec le temps, nous sommes sicilois pour venir plus seniors, et gagner donner plus responsabilité de bandes différentes et diverses entreprises qui peuvent fonctionner dans nos pays. Monsieur le Speaker, l'année prochaine, il vous fait une décennie, c'est-à-dire 10 ans depuis que Cécile tient bas la réforme fondamentale de l'économie. Pendant tout ça l'année, nos croissances économiques, une presque 4% par an en moyenne, et nous avons une stabilité macroéconomique. Nos réserves devises dans la banque centrale ont augmenté, nos dettes ont réduit, nos budgets ont balancé. Nous sommes le premier pays dans l'océan Indien pour atteindre le statut High Income Country avec la Banque mondiale. Mais, Monsieur le Speaker, nous aussi reconnaissons que le développement n'arrive pas arriver qu'au tout coup nos populations. Et le secteur économique, c'est un secteur pareil à l'agriculture, il illustre ce qui m'a dit. Parmi les districts aussi, développement de l'infrastructure est varié. Il y en a une grande variation dans la qualité de la vie dans différents couches de nos populations. Dans mon propre parcours dans chaque district, qui m'ont visité jusqu'à présent, mon voie, vrai développement qui fait mon fier, mais mon aussi voit la pauvreté réelle qui ne s'agrée moins. Croissance, désormais, il besoin d'une plus inclusive. Développement aussi, il besoin d'une plus inclusive. N'a pas couche nos populations qui méritent gagner qui derrière. Et dignité, ça que nos citoyens, il besoin gagner préserver à tout prix. Monsieur le Speaker, l'année prochaine, pour faire exactement 5 ans, depuis que l'Assemblée nationale s'approuve la loi,
qui donne l'encadrement pour salaire dans le secteur public. Moment arrivé pour un exercice gagné fait, l'oban mérite et défaillance, et voir comment nous sommes capables d'améliorer sa structure. Je speaker, Bamti et moyen business peut fonctionner dans un environnement très compétitif. Il est important que nouveau policy reflète sa dynamique et nous besoin mettre l'encadrement pour soutenir sa bonne business. C'est pour sa raison qu'il m'a créé un seul ministère qui est responsable pour petit et moyen business, dans l'entreprise, l'innovation business, aussi bien que l'industrie. Monsieur le Speaker, l'intérêt de l'eau de la banque est incisé qui préoccupe nous tous. Décision de la Banque centrale pour revoir la façon qui implémente la politique monétaire pendant un impact plus positif et direct de l'intérêt qui n'a pas existé auparavant. Son application est entrée en force à partir des 19 juillet salonnais. Tous les trois mois, la Banque centrale a fixé un target de la quantité de liquidité qui s'y posait en an dans l'économie. Et ça, il y a un retour détermine si taux d'intérêt le marché financier pour descendre ou soit monter. Sa target qui est applicable pour sa troisième quart l'année 2017, il est expecté de transmettre dans une baisse dans taux d'intérêt le loan. Pour l'individu, ça veut dire qu'il repayement les autres loans pour réduire. Pour business, il pouvait dire accès finance plus abordable, qui a facilité l'investissement de l'autre part. Sa politique monétaire plus relaxe, y amène avec lui un risque de l'augmentation consommation au niveau individu. Une façon pour réduire sa risque dans consommation, il nous l'approche au niveau individuel et business, qui aime qui devrait être prudent, visé vers l'investissement. Après tout, tout bon individu ensemble, il forme une nation. Tout bon business ensemble, il forme une économie. Ça veut dire, nous tous, nous avons une responsabilité et nos responsabilités collectives. Ce qui est important pour la banque, c'est pour orienter le loan vers le secteur productif. L'investissement, il y en a un rôle important de croissance inclusive, qui a aussi contribué vers le développement des autres secteurs qui ont besoin de l'oxygène. Je encourage l'individu que ça est possible pour investir dans un nouveau instrument qui pour parer moins prochain. Ça est à cause d'une petite économie, pareil c'est celle qui dépend beaucoup de l'importation, une grande augmentation de la consommation et qui transmet de plus l'importation, qui veut dire plus pression le demande devises étrangères. Plus demande pour devises étrangères est lié avec une augmentation d'un niveau prix commodité et services au marché et en résultat, prix la vie est monté. Pour faire ainsi que l'augmentation d'un prix pas loin niveau alarmant, la Banque centrale pour besoin d'ajuster son politique monétaire en lien avec son objectif principal. Pour faire ainsi que changement d'un prix y rester loin niveau qui est acceptable. Bis à changement de politique monétaire, c'est pour nous augmenter l'investissement dans l'économie et en même temps maintenir une situation macroéconomique qui est stable. Mon lance l'appel avec le secteur privé pour faire qu'il y ait un bénéfice qui est associé avec le changement de politique monétaire y arrive aux autres consommateurs et aider à réduire nos prix la vie. Gouvernement, pour continuer à consolider son partenariat avec tout secteur et opérateur économique, pour secteur privé planifier son business et son plan stratégique, son besoin certitude dans la direction économique pays. Pareil, nous annoncer, gouvernement pour commencer le travail loin vision 2032. Et nos stratégies de développement national 2018-2022. Ça pourrait être fait avec consultation tout bon partenaire. Une fois que sa vision et sa plan stratégique
et gagne adopté en juin 2018, nous prenons un chemin plus clair et une vision qu'on sait s'il voulait aller à long terme. Et qui manière nous pouvons réaliser sa vision ensemble. Monsieur le Speaker, en mai, ça l'en est, nous t'y mentionnons qu'il m'a pu donner plus de détails le KISS. Ça veut dire « keep it simple ». Par simplification de procédure et pour faire la vie plus facile pour tout le monde qui fait business et qui dépend du service gouvernement. Par exemple, il peut permettre nous d'augmenter collection taxes sans que nos besoins augmentent niveau taxes. Nous B, c'est pour simplifier procédure collection et faire système plus juste dans tout secteur. Nous avons un retard pour finir élaborer un système compréhensif pour permettre une conversation avec le secteur privé, l'impact de ce changement, et pour faire changement dans le structure légal qui est nécessaire pour son implémentation à partir de 2018. Détail final de ce concept KISS pour être présenté par le ministre des Finances, l'air il présente budget 2018 vers la fin octobre avec l'approbation de nos speakers. Monsieur le Speaker, je voulais annoncer qu'il n'y a pas aucune augmentation de taxes ni de bon charges and fees pour l'année prochaine. Sa décision est importante à cause d'aide du secteur privé prenant plus certitude et confiance dans l'économie sicile et pour qu'ils soient capables de planifier plus bien l'opération qui en retour va contribuer dans l'économie. Tout secteur y en a son importance dans l'économie sicile. Mais aujourd'hui, moi, les causes de ça des secteurs qui liés directement à nos sécurités alimentaires. Ça, est l'agriculture et la pêche. Responsabilité pour assurer que secteur, l'agriculture et la pêche, y en a l'infrastructure nécessaire pour amener ce secteur dans l'autre niveau et responsabilité gouvernement. C'est pour cela que le gouvernement a décidé qu'à partir de janvier 2018, pendant un fonds spécial au développement de l'infrastructure de sa des secteurs avec une somme de 50 millions de roupies. Un team, l'implémentation posée pour les employés et pour dédier ZIS, sa l'implémentation va être posée, financée par sa fonds spécial. Le gouvernement a réalisé qu'il est nécessaire que le niveau support qui va opérateur dans sa des secteurs y gagne avec l'agence, il a besoin d'augmenter. Il est aussi important que l'agence et l'autorité de sa des secteurs gagnent les ressources et main-d'œuvre nécessaires pour le développement de sa des secteurs. Monsieur le Speaker, concernant la pauvreté réelle, le gouvernement donne son engagement pour adresser sa situation de façon compréhensive. Nous travaillons étroitement avec les leaders de la communauté. Nous travaillons à travers Task Force de Kogat Estate, y baser leur partenariat solide et illustrer son niveau d'engagement. Il montre nous que nous avons besoin d'assister nos bonnes policiers, améliorer nos programmes et services et aussi bien sens nous l'approche de l'assistance. Un nouveau approche plus coordonnée est nécessaire. Un qui centre nos bonnes citoyens avec bi élève qualité la vie nos bonnes familles. Ce qui est clair, M. le Speaker, c'est que l'agence pour protection sociale, pour besoin, augmente son capacité pour que l'assistance n'est pas juste une qui est financière, mais une qui en a suivi et l'accompagnement support pour sa famille. Ministère de la Famille, il y en a un rôle important pour les jouer à mesure qu'il nous sens, nous l'approche et nous policie. Nous pas capable de quitter personne derrière. Dignité sac nos citoyens et besoin gagne préserver à tout prix. Indépendamment, avec ce travail que le gouvernement peut faire pour assurer que l'assistance sociale est plus coordonnée, nous sentons qu'il y en a une nécessité pour revoir le niveau de l'assistance financière qui nous dit monde qui méritait recevoir. Ça, pour prendre l'effet à partir du 1er septembre, ça l'en est. Monsieur le Speaker,
Nous ne sommes pas capables de cause de la situation sociale et préservation de la dignité de tous nos citoyens sans qu'ils m'adressent la situation de la case. Nos situations de la case arrivent à l'état critique. En plus, qui savent, mes yeux, qui m'ont déjà annoncé en février ça l'année et qui peuvent implémenter, m'ont voulu informer nous l'Assemblée que la persévérance nous décidait de mettre la terre à disposition du secteur privé. Pour venir construire encore au moins 250 units. Ça me dit, il veut dire que le gouvernement a une position pour concentrer leur planification et construction encore 250 units de ban district et si bien que ban région. Suivant mon discussion avec le gouvernement UAE, il y en a un engagement pour supporter construction 400 units distribués le Mahé, Parlin et la digue. Tous ces efforts peuvent être faits avec qui augmente la quantité de la case qui est à disposition pour nos bons citoyens, qui est bon pour l'année peut faire sacrifice et longtemps peut espérer. Ce problème la case est à la base beaucoup de nos bons problèmes sociaux. Moi, je comprends la situation au PIP et moi, vis à six autres qui beaucoup d'efforts peuvent mettre pour adresser sa situation. Mon reconnaît que dans l'allocation de la terre, le gouvernement a besoin de mettre quelque chose de droite. L'Assemblée fait débat sur la terre et l'agriculture et m'en demande nouveau ministre pour une fois pour tout mettre un ordre dans la terre et l'agriculture aussi. En ce qui concerne la terre qui tombe en bas de l'autorité industrielle, c'est ça l'autorité qui désormais en a un mandat pour faire allocation de la terre dans la zone industrielle. Nous vous présentons l'amendement de la loi pour refléter sa nouvelle politique. La loi aussi pour faire provision pour inclure un mécanisme d'appel avant qu'aucun la terre gouvernement, côté l'accompagnant ou bien un individu, il y en a un liste et côté autres envie vendre ou bien transférer sa liste, vous avez besoin passe à travers une commission qui prend un mandat pour faire recommandation avant que le gouvernement y donne son approbation finale. Ça, il y a en lien avec la résolution que l'Assemblée nationale a adoptée le 28 juin salonnais. Mon point membre de sa commission le 1er août salonnais même. Monsieur le Speaker, drogue, il y a un problème société. Il a affecté la santé nous peuple. Il crée domestique, problème domestique de la famille. Il amène douleur, souffrance de la famille. Il affecte sécurité nationale de nos pays. Et il est lié avec crime organisé de la région. Même petite population. Et nous, c'est la force travailler aujourd'hui. Pilier nos sociétés. Nous besoin résister contre ce fléau qui en a potentiel détruire la force travailleuse et ses lois. Solution, il y a avec nous tous. Alors, nous avons besoin d'adopter une approche plus coordonnée dans nous la lutte contre la drogue. Nouveau team contre NDA peut faire notre travail. Notre mérite tous nos supports. Nous ne devons pas interférer dans notre travail. Gouvernement, il finalise nouveau projet de loi qui pour créer un agent spécial qui pour amène tout bon partenaire et représentant ministère et l'agence clé ensemble. Son mandat, c'est pour mettre tout ensemble pour adresser prévention et réhabilitation des victimes et l'éducation et l'information qui nous pipe et besoin en a le drogue. Monsieur le Speaker, nous la vie politique, très récent, il montre nous, qui est membre de l'Assemblée y aller et un membre de l'Assemblée y venir. Leader de l'opposition y aller, leader de l'opposition y venir. Leader des affaires gouvernement y aller, leader des affaires gouvernement y venir. Speaker, y aller, speaker, y venir.
président y aller, président y venir. Ce qui est important, c'est que nous tous nous décharge nos responsabilités d'après serment que nous y prend et nous respecter la Constitution de la République Sicile. Nous faisons notre travail de façon honnête et sincère. Nous mettons l'intérêt Sicile et nation sicilois avant toutes les autres considérations. Nous travaillons dit et très dit pour Sicile. Nous restons serviteurs, les peuples sicilois. Chers compatriotes, nous pouvons écrire un nouveau chapitre. Un qui est très prometteur pour nos pays. Dans Sicile, quand nous travaillons ensemble pour cimenter tous nos bons défis. Dans Sicile, quand nous avons un respect pour différentes opinions. Dans Sicile, qui unit nous tous, malgré nos différences. Dans Sicile, quand nous tous, nous sentons vivre libres et fiers. Dans Sicile, qui inspire ce qui est bon dans chacun de nous. Dans sa Sicile, qui pour rester toujours plus grand que nous tous. Merci, Monsieur le Speaker.